Ok, attendez. Je suis juste en train de checker un petit truc. Je préviens juste. Je sais pas, la ligue Pokémon a duré combien de temps à faire? Mais en vrai, là, on n'a même pas encore fait la ligue. Faut qu'on fasse le combat contre Cassiopée. Faut qu'on fasse le combat contre Cassiopée. Du coup, ça a full bug. Bah ouais, parce qu'en gros, je devais relancer le jeu et tout. Du coup, c'était bug un peu. 15-20 minutes si tu gères les types, etc. Ah, ça va, ok, je croyais que tu me parlais de Cassiopée. Je me suis dit, Cassiopée, ça fait beaucoup quand même, 15-20 minutes. Mais bon. Du coup, on en était où, là? Au final, en plus de ça, faut qu'on attende qu'il fasse nuit. J'ai la haine. Au pire, on va faire la ligue maintenant. Est-ce que la ligue, je peux la faire avec mes Pokémon, là? J'ai qui d'autre? Mais pourquoi les Pokémon que je ramasse, ils se mettent là? Pourquoi ils se mettent là? J'ai la haine. J'avais fait exprès et tout de bien ranger mes Pokémon. Attendez. Putain, j'avais fait exprès de bien tout ranger. J'ai la haine. Merde, attends. Merde. Ok, je vais y arriver. Ok. Ouais, j'ai des petits soucis de... J'ai des petits soucis de frustration, effectivement. Alors. Bah, Mercuria, t'es modo, tu peux changer le titre. Oh. Elle est folle. Flagados. Noctel, Hydracolos. En vrai, est-ce que je garde cette team? Je me tâte. Je me tâte. En fait, Noctali... Je suis en train de réfléchir. Parce que, en soi, elle... Bon, en vrai, j'ai... Ouais, non, je pense que ça peut être OK. Je pense que ça peut être OK. Pour la ligue, je sais pas. Au pire, je vais me faire éclater. Peut-être me faire éclater, hein. Je vais peut-être me faire vraiment éclater. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Mince, je me suis trompée de touche. Sa Pokémon, bien évidemment. Relisou. Re. Comment je me rends à la ligue? Comment je me rends à la ligue? Je commence à m'attacher à Pokémon, mais je te jure, frère. Ça va nous manquer. Hein. Jusqu'à l'AD ? Je me suis par là. Qu'est-ce que je fous ici ? MDR, qu'est-ce que je fous là ? Je fais le tour, les gars, je veux... Ah ! Voilà ! Je voulais voir s'il y avait des petits trucs et tout, exprès. Ok, bon, de toute façon, j'ai rien à faire. Ouah. Mais pourquoi il va... Ouah, je faisais du tout droit, il allait sur la droite. Ah non, mais là, c'est le cratère, en fait. Bah ouais. Attends, je sais plus où c'est, au final. Faut que j'aille là. Ok.
écoutez. Si vous ne trouvez pas où aller pour aller dans un endroit, n'hésitez pas à escalader les murs. Pourquoi il me TP ? Pourquoi il m'a TP ? Qu'est-ce qu'il y a ce jeu aussi, bug ? Sur ce jeu aussi, je vais me taper un chargement random, là ? Ah ! Voilà ! Il m'a accompagné, simplement. T'es sur Poké, mais t'as pas le bon titre. Mais oui, mais parce que les modos n'ont pas changé, les gars, mais doucement. Oh là là, comment vous êtes chiants, hein. Comment vous êtes chiants. Engueuler les modos, pas moi. Oh. Attends, parce que j'avoue que j'y vais là, mais de toute façon, je vais pas pouvoir soigner mes Pokémon. Oh, c'est les compagnols, trop mimes. Mais trop mignon. C'est trop chaud ici. La Ligue Pokémon, il faut marquer le coup. Imagine, il me défonce lui. Quelle chance de pouvoir visiter la Ligue. On fait un combat pour marquer le coup. Maxime, l'étudiant, veut se battre. OMG, je suis dans l'équipe de la Ligue. Ouais. Mais j'ai failli te tège. J'ai failli te tège quand même. Hein. Yo Benji, ça va ou quoi ? Quatorze ? Quoi, 14 ? T'as failli dégager vu les perfs que tu avais. Non, en vrai, c'est mon Pokémon O. Donc en vrai, c'est OK. Il est niveau 14, le Meowth. Ah, j'ai pas vu. Quelqu'un pour défier la Ligue ? J'aime offrir mon expérience des combats aux jeunes pleins d'avenir comme toi. Ah, tu vois, lui, il est stylé. Lui, ça aurait pu être une évolution de Chocodile. Cro-cro horrible. Cro-cro horrible. En vrai. Bon, je sais pas du tout il est quoi. Il est niveau 56 par contre. J'ai aucune idée de ce qu'il est. Du coup, on va envoyer un petit psycho. Let's go. Let's go. Il est ténèbre. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Bon, allez, fini de rigoler. On envoie Neways. Renéways. Il s'est perdu le dresseur d'avant, je te jure. Allez, fini de rigoler. Fini de rigoler là, c'est bon. Je suis dans le useless tier. Et je sais même pas ce qu'il est lui, vu qu'il est pas dans ma version. Tant pis, aura sphère. En vrai, je sais même pas ce qu'il est. Putain, il est quoi? Il est fort. Il est ténèbre sol. Feu spectre, acier spectre. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Feu, acier. D'accord. Alors, j'en ai un qui me dit feu spectre, l'autre qui me dit acier spectre, l'autre qui me dit feu, acier. Spectre, feu, feu, acier. Mais putain, mais mettez-vous d'accord ?
Feu Spectre. Mais regardez-moi ça, le chat, il y en a aucun qui est d'accord. Feu Spectre, merci Google. Feu Spectre. Ah ouais ? Feu Spectre selon Google. Ok. Bah, j'ai envoyé Noctalie, quoi, en vrai. Parce que Spectre, j'en ai pas. Ouais, j'ai envoyé Noctalie, hein. Il y en a, ils m'ont sorti acier et tout, frère. Ça me fume. Ça m'a sorti acier et tout. Donc je sais pas ce qu'il est non plus, frère. J'ai oublié, moi. Il est acier quoi, lui? Il est acier aussi, non? Ouais, mais mon combat, il est mort. Acier psy. Oh, bordel. Pourquoi il m'envoie que de mes counters à chaque fois, là? J'ai pas changé, mais quel abruti. Putain, je voulais cliquer sur changer, je me suis foiré de touche. Mais pourquoi ça me met super efficace? Il est pas psy alors? Mais il est pas psy alors? Ok. Je confonds alors. My bad. Je pensais justement que Ténèbres c'était pas. Enfin, je pensais que justement c'était Psy qui était fort sur Ténèbres et Ténèbres qui n'était pas fort sur Psy. Je suis un peu fatiguée, les gars. On est à 7 heures de stream. J'avoue, je dis peut-être des bêtises, ok? Oh, ça va être drôle la ligue. Hein. La ligue, je vais galérer. Hein. La ligue, les gars, c'est une aventure qu'on va vivre ensemble. D'accord ? Ok. Et toi, bats-toi un peu, là. Ah, attends, t'es presque à XP. Je vais te faire XP d'un niveau. Hein. Je vais tous les mettre niveau 60 en vrai. Je sais pas la ligue, ils sont quel niveau. Attends, imagine, ils sont niveau 75. J'aurais la haine. J'aurais la haine. Ça va, j'ai quelques bonbons. J'ai quand même quelques bonbons. Bon, déjà, on va donner un bonbon à chacun. Ça fait cher quand même les bonbons. Ouais, un bonbon. Les bonbons, on les récolte où? Les bonbons sur les... dans les raids. Fatal mérite pas, selon moi. MDR. Merde. Non! Ah bah oui, bah tiens, il mérite tellement pas que j'en ai redonné un. Putain, je me suis foirée. T'en as eu deux, Fatal. T'en as eu deux, Fatal, hein, j'avoue.
Mais putain. Tempête verte, je sais pas si c'est fort. Je connais pas cette attaque. Je tèche canon graine en vrai, non? Attends. Magie florale est mieux. Du coup, tu veux pas que je la prenne, toi? Prends pas. Il est physique, donc en vrai, tempête verte, t'es pas intéressant. Ok. Mais comment vous jugez s'il est... Ah oui, non, d'accord. Attaque 182, attaque SP 133. Ok. Excusez-moi, les pros. Excusez-moi, les pros. Bon, allez. Let's go pour me faire dégommer. Let's go pour me faire dégommer. Attends, j'ai froid par contre. J'ai ouvert ma fenêtre tout à l'heure, mais... Ok. Deuge. C'est moi. Je vois que tu t'es décidé à te mesurer à la Ligue Pokémon. C'est le dernier obstacle qui te sépare du grand maître. Tout se déroulera dans ce bâtiment. J'espère de tout mon cœur que tu réussiras cet ultime défi. Si tu y parviens, nous aurons le plaisir de nous retrouver. Ok. Je vois quasi tout le monde prendre le Pokémon violet. Il a quoi de plus que écarlate? Il est éclaté par rapport à écarlate. Bah, il a quoi de plus? T'as une tub en Pokémon légendaire, quoi. Mais après, bah, il a rien de plus en vrai de vrai. Genre, juste t'as une tub à la place d'un Pokémon légendaire. Donc voilà. Ok, merci. N'importe quoi. Bah si, arrête, anyways. C'est ses réacteurs. Bah oui, mais il ressemble à une tub. C'était-vous tenter l'examen de maîtrise de la Ligue Pokémon? Oui. Vous êtes deux de l'Académie Orange, n'est-ce pas? Et je vois que vous possédez 8 badges d'arène. Parfait, veuillez entrer, s'il vous plaît. En vrai, si tu te sonnes bien entre tous tes combats, tu le fais easy. Mais je crois que j'ai même pas racheté de popo et tout. J'aurais peut-être dû. On y va vraiment à la zeb. On y va à la zeb. Tout d'abord, merci d'être venu. C'est un plaisir de vous accueillir. Bien, asseyez-vous. Je suis Cayenne, vous examinatrice. Je vais vous faire passer la première épreuve de l'examen de maîtrise. On va commencer par l'épreuve orale. Ah oui, les badges, vous avez les 8, parfait. Je vais maintenant vous poser des questions pour mettre vos connaissances à l'épreuve. Attention, si vous répondez à côté, vous serez recalé. Alors on commence. Par quel moyen vous êtes venu ici? En Pokémon Tour. Intéressant. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de votre académie? L'Académie Orange. Je note. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu à la Ligue Pokémon aujourd'hui? Je passais par hasard. D'accord. C'est la fin de l'examen. Le personnel vous donnera les résultats. Merci de votre participation. Sur ce, à bientôt. Imagine, je me suis fait recaler parce que j'ai dit que je passais par hasard. Non, mais elle fout... Oh non, je me suis vraiment fait recaler parce que j'ai dit par hasard? Bah, bien sûr. Bah, c'est réel! Je vous remercie pour votre patience. Permettez-moi de vous annoncer les résultats de votre examen de maîtrise. Malheureusement, vous avez échoué. Non, mais c'est parce que je voulais aller racheter des popos et tout. C'est pour ça, tu vois, c'était exprès. C'était fait exprès, les gars. Regardez, bim, là, j'achète mes petites popos. Et puis, on est bien. J'en ai 37 de ça. Super popo 35, hyper potion 17, je vais en racheter.
Potion max, 8. Voilà. On en a 28. Guérison. On va acheter quelques-uns. Voilà. C'est le moment de mettre nos thunes. Et ouais, personne n'a vu ma strat, les gars. Moi, c'était fait exprès, là. Je sais pas si ça, j'ai assez, mais en vrai... Rappel, j'en ai plein, quand même. Hein. Je prends Fatal, je prends tout moi, je suis riche moi, moi j'achète tout moi. L'anti-brûle, regarde, j'en ai 11, j'en rajoute 4, comme ça m'en fait 15. Voilà, l'antidote, je sais pas à quoi ça sert, c'est pareil, j'en rajoute 3, ça fait 20. Voilà, on n'a pas une petite Balenciaga Ball là, histoire... Non, bref. 30 rappels, mais on est où, Fatal? il m'a dit, lui. Allez. Rebonjour, c'était moi il y a 2 minutes. Il est grand le bureau. Hein. Je suis Cayenne, votre examinatrice. Je vais vous faire passer la première épreuve de l'examen de maîtrise. On va commencer par l'épreuve orale. Les bases, je vous avais fait les 8, parfait. Je vais maintenant vous poser des questions pour mettre vos connaissances à l'épreuve. Attention si vous répondez à côté, patati patata. Première question, en Pokémon tueur. Et c'est vrai. J'avoue, elle m'a pas reconnue. Mon académie s'appelle l'Académie Orange. Et je suis venue pour atteindre le rang maître. Est-ce que vous comptez faire une fois... Qu'est-ce que vous comptez faire une fois que vous aurez atteint le rang maître? Mais moi, je vais affronter Menzi. Je veux trouver mon trésor. Mais moi, je vais affronter Menzi. Mais si je me fais recaler parce que je dis que je vais affronter Menzi, je pète un plomb. Hein. Ah, ok. La reine qui m'a posé le... Oh, bah, je me souviens plus des noms, frère. Bah, je sais pas. Bah, je sais plus le nom, moi, les gars. Allez, disons Frigao. Au pif. Oh, d'accord. Et quel est le nom du champion? Frigao, c'est la chanteuse. Je crois que c'est Laïm. Let's go! J'ai une bonne mémoire, les gars. Let's go! Vous vous souvenez du type que les Pokémon de Laïm ont en commun? Oh, Laïm, putain, c'était quoi déjà? C'était les chiens et tout, là. C'est Spectre, non? Attends. Je sais pas. C'est quoi cet interrogatoire? Bah ouais, j'aurais dit Spectre en vert, mais je sais pas. Magnifique! Mais putain, c'est dur ça là! Pour arriver jusqu'ici, vous avez sans doute vécu beaucoup d'aventures. Et ça signifie que vous avez aussi rencontré plein de Pokémon. Mais est-ce que vous vous souvenez de la catégorie de vos premiers Pokémon? Ah oui, ok, Pokémon chat-plante.
c'est bien ça. Pardon, mais je vais vous poser la même question que tout à l'heure. Ce que vous comptez faire si vous atteignez le rang maître? Bah, je vais affronter Menzi. Mais laissez-moi affronter Menzi. Non, mais tu vas pas me refouler parce que je veux affronter Menzi. Hein. Ah oui, c'était ça. Maintenant, la dernière question. Est-ce que vous aimez les Pokémon? Bah oui. Imagine, tu dis non, refoulé. Ça y est, je peux souffler et reparler normalement. L'oral est enfin bouclé. L'interrogatoire de la CIA, mais je te jure. Et vu tes résultats, on peut dire que t'as assuré. Putain, même moi, elle m'a fait douter. T'as réussi la première épreuve de l'examen. Je pensais que t'allais réussir du premier coup, par contre. Bon, maintenant, faut passer à la suite. Pour ta deuxième épreuve, tu dois battre les membres du Conseil 4. C'est ce qu'on appelle l'épreuve pratique. Ouais, le nom vend pas du rêve, je te l'accorde. En gros, tu vas affronter les 4 dresseurs du conseil à la suite. Mais je te préviens, ça va pas être de la tarte. Prépare-toi bien, quand tu le sens, va dans la pièce au fond. C'est bon! Je le sens. Après, 1000 F, c'est peut-être parce que toi, t'es pro Pokémon. Moi, je suis pas pro du tout. Hein. Moi, je suis pas pro du tout. Hein. Non, mais je suis pas du tout level 65, Wiz. Bon, on s'y met. C'est moi qui couvre les... Tu sais, en fait, je t'aime bien. Mais c'est pas pour ça que je vais retenir mes coups. Trop stylé. Et Cayenne, trop stylé en vrai. Hein. Je l'aime trop. Merde, c'est un quoi? J'ai pas vu. Ok. Ça y est, on va enfin se battre. T'as intérêt à te montrer à la hauteur. Ouais, Cayenne, c'est une meuf, ouais. Enfin, je crois. Ah, la salle que t'as pas trouvée jolie. Ok. À niveau 57, ok, ça va alors. Toi, je crois que tu sers à rien. Hein. Barbicha, on est d'accord, j'envoie... Comment ça, faut que j'envoie de l'eau? Non, faut que j'envoie... Faut que j'envoie mon plante. Pourquoi vous me dites d'envoyer de l'eau? Faut que j'envoie plante, les gars. Non, je me fais confiance. Je vous fais pas confiance. J'envoie plante. Pourquoi vous essayez de me dire de la merde? Barbicha au sol. Bah oui, c'est pour ça, genre. On a dit où parce que t'as demandé quel type c'était. Non, j'ai pas demandé quel type c'était. J'ai demandé le nom du Pokémon parce que j'avais pas eu le temps de lire le nom du Pokémon. Camerupt, c'est quoi comme Pokémon? Camerupt, c'est qui? Attends, je vais Google. Moi, j'ai droit à mon téléphone le jour de l'examen. Camerupt. Ah oui, c'est lui, putain. Feu sol. Du coup. Feu sol. Ça triche en classe. Bah, j'ai mon petit téléphone, quoi. Je connais pas tous les noms des Pokémon. Mais en plus, lui, il est dans le Colosseum. Donc, en vrai, j'aurais dû m'en souvenir. Avec son séisme de merde, là. Rendez ouf. Bah, allez, c'est one shot. Le petit Moti Smart dans la trousse.
Triopiqueur, c'est juste au sol, Triopiqueur, non? Normalement, j'ai pas besoin de changer, Triopiqueur. Tempête de sable. Ok. Qui avons-nous d'autre? Je vous prends tous un par un. Donphan, sol aussi, je pense. Bah, continue sans changer. Fatal, tu les bouffes tous. Non, séisme, j'aime vraiment pas cette attaque. Ok, ça va. Séisme sur Colosseum, elle me faisait trop mal, frère, sur mes Pokémon. Oh, mais Donphan, n'importe quoi. Comment ça t'encaisse? Mais on est où, là? Fatal survient. Ok, c'est qui le dernier? C'est qui le dernier? Oula. Terrestre. Bah ouais, mais il faudrait que je laisse... En vrai, faut que je te laisse, je pense. Je vais te soigner. T'assures, meuf, je kiffe ton style. Je te soigne, je te soigne. Attends. Bon, ça suffit, ça. Ah non, merde, je croyais que c'était 170. Bon, ça suffit. Ah, mais t'es pas haut en plus de sol, toi? Attends. Bon, on va voir, de toute façon, c'est ton terra cristal. Ah, c'est poison. Je croyais que c'était sol et eau. De toute façon, c'est son terra cristal et sol. Non, non, mais abri, c'est de la triche. Ah, voilà. Triché. Quoi? Absorbe eau? Comment ça, absorbe eau? Oh, c'est la D, là. Oh, c'est la D. Oh, c'est la D. Psycho, je le fume. J'ai pas peur. Ok, vas-y, vas-y. Je suis pas certaine, hein, mon ref, mais j'aurais dû te soigner, même. J'aurais dû te soigner. Mais en vrai, attends, sol, j'ai pas quelqu'un d'autre. Sol, j'ai plante en vrai. Tu vas rentrer dans le sac, mon ref. Hein. C'est le changement. Hein. C'est le changement de titulaire. Hein. Attends, parce que ça se trouve, plante. Ah ben non, mais de toute façon, non, il est que sol. Non, c'est ok. Je crois. Hein. Non, attends, je sais pas. J'ai peur qu'il me mette des attaques. Attends. Vous m'avez dit sol, poison. Poison. Mais je pense que c'est ok, hein. Mais non, plante fera pas des dégâts normaux étant donné que là il est terra cristallisé sol. Et il absorbe l'eau, donc je peux pas faire les attaques eau en vrai. Donc autant que je mette. Non, non, mais oui, vous me dites des bêtises. Renchiru, rentre chez toi. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Toi, t'as fait la ligue, toi? Tu me dis des conseils nuls. Moi, je fais le conseil des 4 pendant que toi, tu me dis des conseils. Qui claque. C'était nul. Non mais abris ta mère aussi toi. Vas-y, on est où? Je prends ce jeu trop à cœur, oui. Effectivement.
frère. M'a saoulé, lui. M'a saoulé. Allez, Cayenne. Oust. Oust. Ils auraient pu lui mettre un piment. Ça aurait fait le piment de Cayenne. Terrible désillusion. J'avais aucune chance de gagner. Mais en vrai, j'ai bien kiffé le combat. Après, je te préviens, il n'y en a pas beaucoup des dresseurs qui réussissent l'épreuve pratique. Mais je me dis que t'as toutes tes chances d'y arriver. Ta prochaine adversaire sera encore plus forte, alors t'as intérêt à t'accrocher. Allez, c'est à toi de jouer. Non, Poppy. J'arrive. Ben, Cayenne, t'as perdu. Et ouais, je te préviens, elle se défend plutôt bien. Je vais m'installer à côté pour regarder, t'as intérêt de me venger. C'est comme si c'était fait. Ah oui, ok, je me disais, attends, j'ai même pas le temps de soigner mes Pokémon ou quoi, là. J'ai eu peur un peu. J'ai eu peur un peu. Au niveau des PP, etc. Bon, elle, vous m'avez spoil qu'elle avait l'autre qui est fée acier, sauf que je sais pas ce qui est fort contre fée. Parce que je l'ai pas dans mon tableau. Donc vous m'aviez spoil ça. Du coup, qu'est-ce qui est fort qu'on te fait, les gars? Qu'on te fait, c'est poison, acier. Je suis dans la merde, en fait. J'ai personne qui a une attaque acier, là. Attends. Ah si, toi qui es météore. Mon météore. Mais non, mais anyway, je me rappelle de tout à l'heure quand le gars avait dit « Ouais, Poppy, elle a le personnage qui ressemble à Poppy dans LOL. » C'est pour ça, en fait. Bon, on verra. C'est drôlement gentil d'être venu jusqu'ici, mais c'est déjà l'heure de dire au revoir. Parce que mes Pokémon, ils sont trop forts d'abord. Et tes attaques, eh ben, elles leur feront pas un seul bobo. Allez, je vais te les présenter. Poppy du Conseil 4 veut se battre. Mais il est pas seul, lui. Et du coup, il doit être assis quelque chose. Vas-y, mon Pachi, montre-lui tes grosses papates de plus près. Bah après, en soi, je suis super efficace quand même. Oui, non, mais pas toi, Fatal. Archéodong. Putain, mais c'est qu'Archéodong, à chaque fois, je bégaye sur lui, hein. Archéodong, à chaque fois, je sais pas pourquoi mon cerveau bug sur lui, frère. Oh non, séisme. Oh non, séisme. J'ai pas un truc qui attaque rapidement. Genre... Ok. Corvaillus vole. Corvaillus, il est acier. Il est vol, ça c'est sûr.
Mais acier, bizarre. Tu vois, Corvallius aurait plus dit vol spectre, en fait, parce qu'il est violet. Voilà, pour ça j'aurais dit ça. Il est violet, il fait peur un peu. Il est fait d'acier. Bah ouais, mais il fait un peu spectre. En fait, c'est sa couleur, tu vois. Magnézone. Oh mais... Mur lumière, c'est quoi? Ça le protège, non? Ah non. Je sais pas. C'est littéralement un oiseau en armure. Mon dernier Pokémon, eh ben, il va gagner tout seul d'abord. Tu crois que je la connais pas, Forgelina, moi, déjà? Elle s'appelle pas Forgelina, elle s'appelle Emmeline. Pourquoi tu veux que je fasse calcination? Pourquoi tu veux que je fasse calcination? Fatal, vraie question. Coucou, Fanfan, ça va ou quoi? Ah non, j'ai rien dit. Ok, ok. Vas-y, ma Forgelina, montre-lui que c'est toi la plus jolie. Il vu son marteau, Thor peut se réhabiller. Au top et top. Bah ouais, ça va, ça va. Ouais, ça le one-shot pas non plus, hein. J'ai combien, là, de PV? Petite popo, hein. Petite popo, hein. Coucou Nissou, ça va? Coucou Thibaut. Moi, ouais, j'arrête de m'attaquer en première. J'aurais dû faire la dernière attaque là. Petite calcination. Non, je vais pas me cristalliser, les gars. Rien compris, Wizo, à ton message. Mais spoilez pas, les gars. Parce que ça a l'air quand même d'être un peu du spoil, là, ton message. Trop mimes. Merde. T'as 12 000 balles. Mais je voulais laver le fond qu'elle t'a fait et j'ai pas réussi. Tu veux pas plutôt dire laver la front qu'elle m'a fait? Mon front est propre, tu sais. Bref, t'as perdu, ça arrive maintenant. Faut que tu appelles le prochain dresseur. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Désolée, ça fait tellement longtemps que j'avais pas perdu que j'ai oublié. Bichette. C'est ciao la gosse. Non, c'est une seule fois. Non, non, oui, c'est en gros la terra-cristallisation. Faut que tu la recharges au Pokédex. Enfin, pas au Pokédex, au Pokéstop. Genre, c'est pas par combat, c'est vraiment genre, une fois que tu l'as fait, tu vas au Pokéstop.
Ah, lui, je l'aimais bien. Bonjour, je suis Okuba. On se connaît déjà. Hein. On se connaît déjà, mon ref. Ok, ah putain, attends, lui, c'était quoi ces Pokémon? Putain, attends, merde. C'était dans le restaurant, là. C'était pas psy. Bah, je sais pas, c'était quoi ces Pokémon? Type normal? Ah ouais. Type normal. Bon bah, normal. On va envoyer Neways, quoi. On va envoyer Neways. Bon, les gars, et la vie de ma mère, je vais me mettre en chat only, en fait. En emote only. Mais oui, spoilez pas. Vous cassez les couilles, la vie de ma mère. Vous comprenez pas quand quelqu'un découvre un jeu qui a le mot découverte. Découverte. Non ? Ça... Dites-moi le prochain film que vous voulez voir, je vous raconte la fin, ça ira plus vite, vous n'aurez pas besoin de voir le film. Genre, non, c'est vraiment ça vous dit pas, tu vois, de laisser les gens découvrir. C'est en vrai, bon, hein ? Ça vous dit pas. Attendez. Oh, mais après, le mode émote, bah moi, ça m'emmerde, tu vois. Parce que pour des gens qui étaient cool et qui m'aidaient et tout, bah je me retrouve baisée, quoi. Donc bon. Super. Super, super. Mais au final, qu'on te vole, en fait, j'ai rien. Mais qu'on te vole, je vais galérer, je crois. Hein. Qu'on te vole, je vais galérer. Hein. Ah mais attends, j'ai accès à... Mais c'est cheaté de ouf, hein. Non, mais tu sais qu'en vrai... Mais c'est cheaté de ouf, ça veut dire que là, je peux changer mes Pokémon normal. Attends. Ça veut dire que là, je peux changer mes Pokémon normal. Mais tu sais que c'est trop cheaté. Bon, après, je crois que mes Pokémon Elex sont pas du tout assez haut level, hein. À la limite, si, j'ai Luxray, quoi. Changer clair, cage clair. C'est pas non plus... Bah non plus, bon. Bon. Changer clair, c'est de la merde. Ouais, c'est vraiment de la merde. Mais j'avoue que c'est abusé de pouvoir avoir accès au PC. Hein. Vraiment, tu sais que je trouve les jeux se sont mis à ce point, tu vois, genre se sont facilités, mais bon... Bon, en vrai, on va pas tricher. On va faire genre... Vas-y, on va faire genre... comme si... Voilà, tu vois. On part du principe que on m'a pas spoil qu'il avait changé ses trucs. Et du principe que dans tous les cas, bah, j'ai pas de Pokémon pour le vol. Comme tu peux le voir, j'assure la permanence au Conseil 4, même si je m'en passerai bien. Dans mon arène, au moins, je peux utiliser mes Pokémon de type normal. C'est un type qui me ressemble, tu as dû le remarquer. Mais ici, la hiérarchie m'a obligée à me spécialiser dans un type différent. Donc si ça ne te plaît pas, fais-moi plaisir et va te plaindre auprès de la chef. Bon,
C'est pas tout, mais je dois me mettre au travail. Les RTT, ça se mérite. Ok. Je suis maintenant manager d'une équipe de type vol. Bon, lui... C'est ciao. Plein de feu, il me dit, lui. Zénith. Mais je vais pas galère avec avec mes pépés, moi. Et tout Raptor, il est vol quoi et tout Raptor, attends. Normal vol. Quoi? Pourquoi Google il me dit ça? Vol normal. Ok. Bon. On va tenter. Et on va faire un canon blindé. Allez, c'est ciao. Non, close combat, il aurait pris trop cher. Plumeline. En plus, je l'ai chopé hier, Plumeline. Elle peut être tout quoi. Et puisqu'elle a 4 types. Oh bordel de merde. Oh merde. Donc soit feu, soit électrique, soit psy, soit spectre. Bah en vrai de vrai, de toute façon... Attends. Si elle est psy vol, faudrait que j'envoie Noctali en fait. Je vais tenter. On sait jamais. Faut y aller à la zob. Ouais, et en plus de ça, Fixie il a plus de vie. Donc on va tenter. T'es pas content, Mathéo, tu vas voir ailleurs. Va regarder du Fortnite. Fais comme à ton habitude. Fous lui. En tout cas, du coup, j'ai même pas vu que je regardais mon chat. J'ai même pas vu... Ah ouais, ok, c'est sa version forcément Elec. Elec, en vrai, je me retrouve emmerdée un peu quand même, hein, mine de rien. Parce que j'ai pas de Pokémon Sol. Bah écoute, on va taper du normal, hein. On va taper du normal. Ouais, d'où va ça? Je kiffe la musique. Ah ouais, Nissou? C'est pas ma musique préférée là, pour le coup, mais... C'est pas ma musique préférée. Hein.
c'est un archi rapide, c'est Pokémon Vol. Ah, ça va, je suis plus confus. Ça, j'ai été rapidement plus confus par contre. Les à-coups dans la musique filent la pression. Après, moi, j'ai le son très très bas parce que sur ma Go XLR, c'est pas du tout, machiné. Altaria, c'est. J'allais dire Fol V, mais en fait. Vol V, mais en fait, je pense pas. Je sais pas. Ah, c'est Dragon. Bah, je vais envoyer Dracolos du coup. On va se faire mal autant l'un que l'autre. Hein. Coucou Oxérine, ça va ou quoi? Après, j'ai pas regardé le let's play entier, donc je connais pas toutes les musiques. Mais non, la musique elle est pas bug. La musique elle est pas bug. Je fais le 75. Ah là là, elle est pas morte, elle. Bah si, regarde. Je suis morte. Follow depuis 2020, pourtant. Eh même en 2020, c'était un hater MDR. Je suis morte, je viens de voir ses anciens messages. Je suis morte. Vas-y, je le banne pas. Tu reviendras dans 2 ans, du coup, et tu remettras ton même message. C'est pas très grave. Ah ouais, c'est fini? Bon bah tant pis. Hein. Pas relancer juste pour une musique. Hein. Aïe 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 aïe. En vrai, j'attaque en premier, donc c'est ok. Non mais Simon, regarde tes anciens messages. Genre vraiment, ça se voit, c'est un jeune. Il y a 2 ans, il avait 13 ans. Aujourd'hui, il en a 15 et il n'a pas mûri. Peut-être pas 17, il sera un peu plus mûr. Flamand rouge, je connais pas. Ou alors, c'est peut-être peut-être le flamand rose du coup, mais bon. Envoie-moi. Ah ouais, Fatal? Ok, Fatal. Fatal, pourquoi tu me dis envoie-moi? Moi, je te fais confiance. Pas Fatal. Ah ouais? Merde. Si, c'est le flamant rose. Mais non, ça va, il a pas troll du coup. Ah mais bon. Non, ça change rien en fait. Bah ouais, on est con, c'est la terre à cristallisation. Du coup c'est... Bah ouais. Bah non, Nissou, ça change rien en fait. Ouais, c'est du vol pur. Bon, en vrai, coup critique. Nickel. Bon, après, il attaque en premier, quoi. C'est ça, le problème. Non, vas-y, tu tentes le tout pour le tout. Tu survis, Fatal. Rapace, tu survis, Fatal. Non, tu survis, Fatal. T'inquiète. Non, c'est faux. T'es pas mort, Fatal. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'es pas mort. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hein? J'ai pas suivi? Ah, ça lui a été fatal! Ah, j'ai même pas lu! T'sais, j'étais en train de réfléchir à qui j'allais mettre! Et j'étais en train de me dire, ouais, je vais envoyer Noctali et tout! Ah, le contre-coup, putain, merde! T'es pas mort, Fatal! Je te l'ai dit, t'es pas mort, t'es pas mort! J'étais mal jugé, je comprends l'intérêt que je te... C'est pas vrai, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire putain, non mais du coup je vais remettre Noctali quoi. Il me reste plus qu'un adversaire.
Tiens, il ne vient pas. Je crois qu'il vous a pas entendu. Ah ça, s'il vous plaît. Faut monter un peu le volume. Ah ça. Ah ça, c'est à vous. Bah GG. Il est mort en héros. Je suis ravie de vous voir ici. Combien de fois devrais-je le répéter? C'est à vous de m'appeler, pas à Cayenne. Mon membre préféré du conseil. Ah ouais? Bon, attends, parce que moi, on rigole. On va faire des petits soins auto, là. Ok, et il faut que je prenne les trucs des PP. C'est quoi, c'est avec ça? Non, c'est... Ah. Lorsqu'elle est tenue. Tu peux pas juste... Ah, les huiles, merde. J'en ai. Ah oui. En vrai, attends, lui ça va. Non, lui, ça va. C'est surtout... C'est surtout Fixty, je crois. Ouais, c'est surtout Fixty. Ok. Fatal, fais voir. C'est ok. Non, c'est ok, je pense. Mais il y a quelqu'un qui fait des travaux, il est 21h30, frère, on est où? J'ai aucune idée de ces trucs. Me suis pas spoil. Ne me spoilez pas. J'étais certain qu'un jour ou l'autre, vous finirez par arriver ici. Je dois dire que la croissance fulgurante des jeunes pousses ne cesse de m'impressionner. Mais je vous avoue que je ne pensais pas vous revoir aussi rapidement. Un enseignant se doit de guider ses élèves au mieux, pour les aider à progresser. Cependant, il me faut oublier ce rôle le temps de notre affrontement. Car il est de mon devoir de tout faire pour vous vaincre. Découvrez la puissance du dernier rempart de l'épreuve pratique, le dragon du Conseil 4. Ok. Bon bah... C'est l'heure du duel. Ah, du coup, il est... Il est full dragon. Lui, il est quoi? Il est dragon poison, je suis sûre. Non, ouais, je sais pas. Oh, niveau 60, quand même. Hein. Niveau 60, hein. Mais en fait, j'ai peur que mon Dracolos, il se fasse péter la gueule. Duel. Dragon ténèbres. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être. Ça, c'est possible, ténèbres. Ouais. Je vais me faire one shot, frère. J'ai la haine. J'ai la haine. Ouais, il tape en premier, du coup. J'ai la haine. J'ai la haine. Dragon vol. T'aurais dû le garder pour ton... Bah après, je peux le soigner, tu vois. Je peux le soigner, mais bon. Qu'est-ce que je peux mettre? En fait, j'ai rien contre lui, genre. J'ai rien. Parce que j'ai pas de Pokémon glace. Donc
Bah non, feu, c'est... ça fait pas de dégâts sur dragon. Bah sol, j'ai pas non plus de Pokémon sol, dans tous les cas. Non, je pense que je vais envoyer Noctali, il est neutre, hein. Noctali est neutre en vrai contre lui. Sol, c'est inutile avec son type vol. En plus. Non, mais je pense que Noctali, c'est ok, il est neutre. En plus, il évite l'attaque. Incroyable! Mon Pokémon préféré! Incroyable! Ok, je le soigne. Mais même si je le soigne, ça va me redescendre là. Si... c'est un cercle sans fin. Ok, je te soigne. T'évites l'attaque, ok? Ok? Non mais il va éviter l'attaque les gars. Regardez. Non mais c'est tranquille, c'est tranquille. Là au moins ça me met en confiance. Mais vas-y ta mère aussi à l'attaquer en premier. Et là, hop, vive attaque. Et là, hop, ciao, bye, bye. Ciao, bye, bye. Non, j'ai pas d'attaque glace. Je sais pas c'est qui, Cravaretch. Je sais pas c'est qui, frère. Je vais Google. Je sais pas à quoi il ressemble. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon ? Mais mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Il est horrible! Il est horrible! Bon. En vrai, je vais garder. Je vais le garder, mais il faut que je le soigne. Il est stylé. Ça, stylé, mon ref! Il a paru dans X et Y, mais putain, mais tu sais que X et Y, j'ai aucun souvenir. Pareil que pour Soleil Lune. Genre vraiment, je n'ai plus de souvenirs. J'ai plus de souvenirs. C'est fou. Il est dégueulasse ce Pokémon, il est pas très beau, ouais. Il n'est pas très très beau. Si c'est efficace contre poison. Mais pourquoi vous m'avez dit alors qu'il était haut? Vous m'avez dit qu'il était haut dragon, frère. Vas-y, au pire, il me met KO et je changerai. Ok. J'ai jamais dit qu'il était haut. Mais si, vous m'avez dit, il est haut. Si je remonte. Mais attends, mais j'ai vu plante pour counter haut. Mais tu vois, je suis pas folle. Et sauf que plante, bah en vrai, contre dragon, c'est pas bon du tout. Ok, je change. Ok, c'est bon, je change. Non, non, mais je suis pas folle. Il y a bien quelqu'un qui m'a dit de mettre plante parce qu'il était poison. Et je me suis dit, non, mais plante, ça sert à rien parce que dragon, il fera pas d'effet. Fatal, si tu meurs, on te renie. Je te jure, s'il me le one-shot pas là.
Bon. On va faire venir Noctali. Non mais Fatal, t'es nul, faut dire ce qu'il y a. Tu es nul. T'es pas très très fort. Mais là je vais mourir là. Pomme drapi. Est-ce que c'est... Bah non, il est pas dragon celui que je pense. Ah ouais non, c'est pas du tout celui à qui je pense. Plante dragon. Ouais mais attends, c'est celui qui se terre à cristal. Je crois que dans tous les cas, il se... Non mais je crois que c'est son dernier. Donc si c'est son dernier, il va se terra cristalliser. Non, c'est pas son dernier. Ah bon? Bon, je vais te faire confiance. J'ai cru que c'était son dernier. Il lui en reste deux. Ok, ok, j'ai cru qu'il lui en restait que lui. Ah non, il lui en reste trois! Oh, sa mère! Mais Fixty, incroyable! Incroyable, Fixty! Ah, peut-être le chien dehors s'appelle peut-être Fixty. Mais comment il aboie? C'est probable. Je sais pas à quoi il ressemble. Tranche, en vrai, tranche. C'est herbe, non? Je sais pas. Pourquoi il me sort des Pokémon que je ne connais pas? Il est juste dragon. Dragon, on fait... Non, apparemment, il est juste dragon. Bon, écoute, je mets continuer sans changer. Je réa mon Dracolos. Attends. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Neowise? Vas-y, attends. Je continue sans changer. Vous me perturbez, le chat. Vous me dites des bêtises. On va jamais y arriver. Mais oui, ça va faire deux fois que tu me choques un combat quand même. Attends. Ah oui, non, dragon sur lui, je fais rien. Vas-y, sac. Rappel utilisé. Sac. Hyper potion. Utiliser. Ok. On note que je suis mort deux fois. Allez, Fixty, c'était gentil. Mais tu sais que mon Dracolos, je pense qu'il meurt. Hein. Mon Dracolos, c'est pas assez haut level. Hein. Yo, un inconnu de tout game, ça va ou quoi? Bah ouais. C'est kiff kiff, ouais, mais je prends cher quand même, hein. Surtout qu'en plus, moi, il est lent de ouf, hein. Et là, je vais prendre trop cher. Je sais pas comment je vais me sortir de cette merde. Ouais, c'est le dernier, mais faut que j'arrive à me soigner. En fait, faut que j'arrive à me soigner, mais il va lancer son terre à cristal. Je sais pas comment faire. Bah oui, mais Mathis, je peux pas terra cristalliser là tout de suite.
Je vais terracristalliser le tour d'après si je suis encore vivante. Mais en fait, le problème, c'est que là, il va m'attaquer et je vais perdre encore masse HP. En fait, vu qu'il est... En plus de ça, il est plus rapide que moi. Donc, en fait, dans tous les cas, c'est chaud. Je pense, ce qu'il faut que je fasse, tenter en tout cas, c'est là, j'attaque. Sans me terracristalliser. J'attaque pas. Oh bordel, attends, faut que je réfléchisse. Neowaze, en vrai, toi, je crois que à la limite, Neowaze, tu peux faire un peu de dégâts. Enfin, t'es normal, je crois, contre lui. Neowaze, je vais t'emmener. Tu vas essayer de faire le max de dégâts. Une fois que tu meurs, Neowaze, bim, on met Myascarade. Avant que Myascarade meure, on essaye de réa Dracolos. Je pense qu'on fait ça. On fait ça. Vraie strat. Vraie strat. En plus, t'attaques en premier. Incroyable. Nickel. Tu me refais ça, là. Hop. Nickel. Comment ça, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas grave. Moi, j'aurais pu te cristalliser, mais t'inquiète, moi je fais de la... T'inquiète. Regarde. Il va nous faire une vive attaque. Bim! Puis je attaque, ça le tue pas, je pense. Mais on tente, on tente. Ah oh, putain. Non mais tranquille, tranquille. Non mais c'est ok les gars, regardez. On envoie Myascarade et on fait la technique que j'avais dit. Le plan est toujours bon, juste on fait des petits détours. C'est ok. C'est ok. Ok. Là, on fait sac. Mais en vrai, j'ai envie de grid et de l'attaquer. Mais s'il attaque en premier, je suis morte. Du coup, on va pas grid. On ne va pas grid. On fait un petit rappel. Utiliser sur Dracolos. Renvoie Lucario. Grid. Non, je grid pas. T'es plus rapide. Il le tue. Non, vous êtes des bâtards à me dire grid. Non, tu peux tank. Mais 100% ça tue. Je sais que je dois pas grid. Je vais terracristalliser au cas où. Il m'attaque en premier, non? Voilà, c'est bon. J'ai eu peur de pas attaquer en premier. Ok, non mais vous m'avez fait peur. Moi, je voulais pas grid. Moi, je voulais jouer avec prudence, exactement. Ah là là. T'as été joueuse. Heureusement, c'était un coup critique. Easy win. Putain. Sérieux, j'y crois pas. Elle l'a fait. Eh ben ça alors. Oh. C'est si merveilleux. J'ai tellement ému. Oh bah monsieur Asa, il faut pas pleurer. Allez, c'est pas grave. «
te honte. Fais pas attention à lui, ça lui arrive parfois de craquer. C'est l'émotion, vous comprenez? Je peux pas retenir mes larmes. Moi, bon, si j'ai bien compris, c'est à moi d'annoncer le résultat de l'examen. Tu dois t'en douter, mais t'as réussi. Imagine, elle me dit « C'est échoué !»« Youpi, c'est trop super !» Oui. « Tout va bien, c'est assurant !» T'as assuré. Par contre, l'examen de maîtrise, il est pas encore fini. Il te reste encore l'ultime épreuve. Tu vois la porte au fond? Quoi, y'a Menzi derrière? Le boss final du conseil 4. Fais gaffe, elle est super balèze. Aucun de nous quatre lui arrive à la cheville. On s'en est rendu compte quand elle a testé nos skills avant de nous recruter. Ah non, c'est l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. T'as réussi à me battre, donc je suis sûre que tu vas gagner à l'aise. En plus, je te donne un petit coup de pouce. Franchement, si tu perds, c'est que tu fais exprès. Ah, ça va, Maria, mes Pokémon. Eh ben, tu sais, moi j'aime beaucoup tes Pokémon. Alors je vais t'encourager de toutes mes forces. Bonne... Au dragon bien né, la valeur n'attend point le nombre des années. Il m'a fiché les jetons, ça y est, il a fini de twinner. Je suis certain que vous allez y arriver. Ok. Partez maintenant, suivez votre destinée. Qu'importe votre taille ou votre âge, la victoire est à votre portée. Tu peux nous donner du diabète avant le dernier combat STP, juste au cas où. Ah ouais, Fatal, tu penses vraiment que je me fais défoncer en termes de niveau? Tu penses? Je suppose que ça sera équivalent. Putain, on joue comme des noobs. Je sais pas combien j'en ai. Ok. Ah non, ça on avait dit non. Chizzy, tu parles du prof, là? Pétez la gueule, hein? Je vais te péter la gueule? Putain, en vrai, j'ai pas tant de... Bon, au moins, je mets tout le monde à 65. C'est ok. Au moins, je suis tout le monde à 65. Plus 7 points de diabète. Non, je pense que ça peut être ok. C'est vrai que Fatal, t'es pas très fort. Hein. On va pas se mentir. Allez, j'y vais. Non. Attends. Si, j'y vais, c'est ok. Oui. Fatal, même level 100, il est nul, donc bon. Non, mais j'ai toujours pas fini la Team Star. Sauvegarde peut-être avant, on sait jamais. Marip. Je te souhaite la bienvenue, Doge. Cela me fait énormément plaisir de te revoir ici au sommet de la Ligue Pokémon. Ta dernière épreuve est tant ne peu plus simple. Tu dois te battre contre moi. Vaincre la maîtresse en chef et la condition sine qua non. C'est pas ça qu'on dit? Condition sine qua non. Je me suis dit. Cependant, avant d'aller plus loin, promets-moi de te donner un petit avertissement. Sine qua non. J'ai beau être la présidente de la Ligue Pokémon, je m'investis beaucoup quand je combats. Je ne fais aucun compromis et je donne tout pour m'emparer de la victoire. Sine qua non. Ouais, c'est ça, sine qua non. Ok, merci.
Ça, mais en même temps, je le vois jamais écrit, t'sais, je l'entends toujours, mais enfin, le peu de fois où je l'ai entendu, c'était à l'oral et pas par écrit. Et en conséquence, peu de candidats viennent tenter cet examen à mon grand regret. Néanmoins, je sens bien que tu es différente. Tu me rappelles maîtresse Menzies, au fond. Pour toi non plus, rien ne semble impossible. Mais trêve de bavade, es-tu prête? Alors montre-moi toute l'étendue de tes talents. Alisma, la maîtresse en chef, veut se battre. Ah, ouais, Ren, je suis pas totalement d'accord, mais ok. Pas totalement d'accord en vrai. Plante, je suis pas. Ah non, je suis juste efficace, ok. Ah, ce Pokémon il est vraiment pas beau. Hein. Bien évidemment, ça ne m'affecte pas. Que t'arrive-t-il? Cela ne te ressemble pas de baisser ta garde comme ceci. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Allez, c'est ciao, là. Ciao, ton Cléopsytra, là. Apprends. Parle-moi mieux! Elle veut quoi? Excellente offensive, continue comme ça. Aïe, cette attaque fut dévastatrice. Bravo, tu mérites des applaudissements. Yoskol, ça va ou quoi? Chevroom, c'est pas le moteur là? C'est le moteur, non? Plus facile que les dragons. Mais en même temps, dragon, j'avais rien qui allait contre en vrai. Donc c'est pour ça. Ah non, c'est. Ah oui, non, c'est la chèvre en fait, chevrome. Ok. Comme le bouc. Mais putain, mais oui, vous me dites. Je fais de la merde. Je fais, non, non, stop, faut que j'envoie Fixty. Mais en fait, oui, vu que je me suis dit plante, j'ai envoyé mon plante. Putain, je suis une abrutie. Mais oui, mais si pépé, bah oui, mais moi aussi je suis fatiguée, 8 heures de stream, oh, à parler à des gens comme toi, Fatal. Moi aussi je suis fatiguée. Putain, mais bien évidemment. Mais oui, mais en fait, dans ma tête, je me disais plante, du coup j'ai envoyé plante. Putain. Coucou Gaspard, ça va ou quoi? Merci de venir remonter le niveau. Merci Mateline. Putain. Non, ça va, c'est rien, c'est rien. Je lui laisse un peu d'avance, en fait. Ça, ça l'a pas brûlé. Il n'est pas très efficace. Faire un petit calcination, toi, pour te finir, là. Non, mais je rigole, Fatal, t'inquiète. Mais c'est juste... Non, mais je rigole, hein. Les gars, prenez pas mal, hein, quand je vous taquine, hein. Terra crawl, ça sonne haut ça. Ça sonne haut. Je me fie à mon insta. À mon insta. Ah, c'est un glacier? Merde. Mais il a un nom de crawl. Le crawl c'est de la nage. Oh putain, c'est lui, il fait chier. Ouais, en vrai ça va, c'est juste efficace. Je sais pas si. Ah si, j'ai Neways qui est super efficace. En fait, j'aurais juste à laisser... Allez, anyways. Ça va ou quoi, Lisa? Bah ouais, mais les gars, moi, je connais pas tous les Pokémon non plus, hein. Allez, anyways. Team le one-shot, là, et on n'en parle plus. Voilà. Délestin, je sais pas ce que c'est. Délestin, ça me dit quelque chose, mais je sais plus. Ah oui, c'est lui, il fait chier. Truc de merde, là.
Délestin, même Google, il trouve pas. Non, mais oui, mais c'est l'autre, là, tu sais, qui te fait des gigasprints dans l'eau, là. Et t'as vu, en plus, moi, je lui laisse un peu d'avance et tout. Hein. Mais au final, j'avais pas du tout besoin de prendre des bonbons, Fatal, t'avais pas du tout confiance en moi. Bah ouais, Lucas, mais ça, c'est de la faute de Fatal. Il m'a dit de donner des bonbons et tout, alors que j'en avais pas besoin. C'était par gourmandise. Scalpereur, je pense que c'est un acier combat. Je sais pas. Je sais pas. Un sur deux. Acier. Attends. Scalpera. Ah, c'est... Oh, il est stylé! Oh, il est stylé! Il est plutôt stylé. Faire un petit canon blindé. Pour fêter son flow. C'est ciao. Il a des tout petits pieds, c'est trop drôle. Flore éclat. Il y a Flore dedans. Du coup, j'ai pas besoin de changer. Je vais te le péter, ton Pokémon herbe, là. Je sais pas ça à quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je sais qu'elle va cristalliser, mais je sais pas en quoi elle va cristalliser. Devient la lumière qui guide tous les dresseurs. Terra cristallisant. C'est quoi ça? La terra cristallisée en bijoux. Il m'a éclaté la gueule. Mais sa terra cristallisation, je la reconnais pas. Il a terra cristallisée en roche? Envoie-moi au MG. Non, attends, vraiment? Non, mais s'il est en roche, j'ai juste à renvoyer mon Miascarade, en fait. Pourquoi je t'enverrais, toi? Non, pas Fatal pour la fin. Je me fais tellement bully. Vas-y, vas-y, c'est bon, je t'envoie. Vas-y, je t'envoie si tu te fais péter la gueule, pas mon problème. Pas Fatal. Mais c'est pas grave, les gars. Au pire, si Fatal, il meurt, bah, il meurt, quoi. Genre, c'est pas... Tu sais, tout se joue pas sur Fatal, là. Laissez Fatal un peu... Par contre, Fatal, si tu meurs, c'est honteux. Hein. C'est ton moment de chance, Fatal. Ah, Fatal, pas mal. Merci beaucoup, Aaron, pour le support faire à Miku qui arrive. Merci beaucoup. Ok, Fatal. Toi, t'attaqueras jamais en premier, Fatal. Tu vas mourir, là. Tu vas mourir. Première fois que Fatal tanque un coup. Bah allez, Fatal, c'est bon, fini de rigoler. Voilà, t'as eu ton petit moment de gloire. Laisse les choses aux vraies personnes. Laisse les choses aux vraies personnes, quoi. Coucou Sheila, ça va ou quoi? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Bah, t'es mort trois fois, quoi. Mais bon, t'as fait la ligue, effectivement. Bon, après, tu te fais trash par un gars qui connaît pas les genres des Pokémon, quand même. Donc, bon.
Les starters, les évolutions, c'est trop moche. Non, 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 non. Miascarade est trop belle. Mode facile. Bah oui, mais c'est parce que Fatal, il m'a demandé d'XP mes Pokémon. Du coup, je les ai XP, moi. Quelle puissance extraordinaire et cette technique sans faille. Merci beaucoup, Siméon. Merci infiniment pour ton sub. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Je crois bien que la région de Paldea assiste à la naissance d'une nouvelle dresseuse d'exception. Je te félicite et je suis fière de pouvoir t'appeler désormais maîtresse d'Euge. Tu l'as mérité, cette victoire. Youpi, t'as réussi! Bon, donnez-moi Menzi, là. C'était merveilleux, quelle évolution! Il est hypersensible, laissez-le. Les dresseurs et dresseuses de Paldea sont les trésors de notre région. Et celles qui... Et ceux qui atteignent le rang maître en sont les bijoux les plus... Maîtresse d'Euge, je compte sur toi pour montrer la voie à tous les dresseurs de Paldea. Maintenant, permets-moi de te raccompagner jusqu'à la sortie. Je pense qu'une de tes camarades de classe doit t'attendre avec impatience. D'Euge ! Me dis rien, ça se voit sur ton visage. T'as atteint le rang maître, hein? Non. Ha ha ha, t'es marrante. Mais allez, avoue, t'es passée maîtresse? Non. Oh, ça suffit tes salades à la fin. T'es bien maîtresse, rassure-moi. Non. Mais je suis sérieuse, là. T'as atteint le rang maître, oui ou non? Non. Mais enfin, arrête, c'est pas drôle. T'es maîtresse ou pas? Non. Mais enfin, arrête, c'est pas drôle. T'es maîtresse ou pas? Non. Mais enfin, arrête, c'est pas drôle, t'es maîtresse ou pas? Non. Mais enfin, arrête, c'est pas drôle, t'es maîtresse ou pas? Non. Mais enfin, arrête, c'est pas drôle, t'es maîtresse ou pas? Non. Mais enfin... Oui. J'étais déjà au courant, en fait. Mais pourquoi tu forces? La chef m'a prévenu quand t'as réussi ton épreuve pratique. On est maîtresses toutes les deux, c'est génial! On peut donc se battre sur un pied d'égalité. Alors, je t'ai déjà posé cette question, mais là, c'est l'occasion de confirmer. Tu veux bien devenir ma rivale? Non. Hein? T'as dit quoi? J'ai rien entendu. Tu veux bien devenir ma rivale? Non. Non, mais laisse tomber, je vais te demander jusqu'à ce que t'acceptes. Alors ça c'est très toxique, Menzi. Ça s'appelle être forceuse. Et un non, c'est un non. Putain. Non. Attends, on arrête de plaisanter. Tu veux bien devenir ma rivale, hein? Non. Mais tu comprends ce que je dis? Je veux que tu sois ma rivale. C'est oui ou non? Non. Mais tu comprends ce que je dis? Je veux que tu sois ma rivale, c'est oui ou non? Super! Et tu sais ce qu'on fait quand on est des rivales dignes de ce nom? Des combats à l'appel. D'ailleurs, si on faisait un tout de suite, je vais absolument tout donner cette fois. Un instant, maîtresse Menzi. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Merde. Maîtresse 2, je viens à peine de finir son examen de maîtrise. Elle et ses Pokémon doivent être fatigués. Tu sais que les maîtres et maîtresses ne doivent pas faire preuve d'égoïsme. Laisse-les donc se reposer d'abord. Merci beaucoup, J-Dax, Max. Merci beaucoup pour ton sub. Oh oui, vous avez raison. Oups, j'ai encore été trop enthousiaste. Pardon, Deuge et Lucario. Ah, anyway, cette fois-ci, t'as le droit à pardon. De plus, souhaites-tu vraiment que le premier combat qui célèbre votre nouvelle rivalité ait lieu sur un sentier comme celui-ci? Dit comme ça, c'est sûr que non. Dans ce cas, vous pourriez nous prêter le terrain de combat de la Ligue Pokémon pour un petit moment, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dimi. Merci infiniment, ça fait plaisir. Merci à toi. Je suis sûre que vous pouvez trouver un endroit qui ait signification particulière pour vous deux, non? Un endroit avec une signification particulière? T'as une idée, Deuge? Dans ta maison, Menzi. Merci beaucoup, Cortex. Merci infiniment pour ton reçu pour tes 10 mois de sub. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ah ouais. Ouais, Krin, j'envoie le message. Qu'il y a eu.
Bah, dans ta maison, ouais. C'est vrai que c'est là-bas qu'on a fait notre premier combat. Mais je connais cet endroit par cœur, il a rien de spécial pour moi. T'as une autre idée, Dej ? Dans la ville ? Super idée ! C'est là que notre voyage a commencé. Tu te souviens quand Monsieur Clavel nous a expliqué la chasse au trésor, Dej ? Comme quoi, on devait partir à la recherche de notre propre trésor. Trésor ? Eh ben moi, je l'ai trouvé, mon trésor. C'est toi. Une rivale à mon niveau, contre qui je peux tout donner en combat. Oh, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, Dej. Bon, et maintenant ? Direction le terrain de combat de la place centrale de Massaledo. Je t'attendrai là-bas. J'admire le respect mutuel que vous entretenez. J'aurais aimé qu'elle se montre aussi sincère avec moi lors de son examen final. Maîtresse Menzi a beau m'appeler chef, je sais qu'elle a retenu ses coups lors de notre combat. Ah ouais ? Pardon ? C'est pas la même Menzi qu'on connaît, hein. Mais contre toi, je pense qu'elle montrera toute l'étendue de ses capacités. Putain, Menzi, imaginez, je me fais défoncer la gueule par Menzi. C'est possible. Elle est cringe, on va pas la voir. Mais attendez, parce que moi, j'ai un autre combat à faire. Avant. On parle de Menzi, là ? Attendez, moi, j'ai un autre combat à faire, les gars. Il fait nuit. Par contre, mais en fait, si je t'enlève, j'ai plus d'eau. En fait, j'ai envie de t'enlever, Fatal. Mais si je t'enlève, je n'ai plus d'eau. Par contre, Dracolos... Oh, je suis désolée, hein. Non, je suis désolée, Dracolos, mais tu t'aiges, hein. En vrai, de vrai, Dracolos, c'est ciao, bye bye, hein. Je préfère autant jouer... Ah, mais il est que 38. Je pense que je vais remettre Emeline à la place de Dracolos. Hein. Il a servi si peu, mais de ouf. Non, j'ai plus tant de bonbons que ça en vrai. Hein. À peine la ligue remportée, déjà la retraite. Le retour d'Emeline. Ok. Je peux peut-être lui donner des petits bonbons, ouais. Merde, je me suis trompée de touche. J'en ai pas tant que ça, hein. Moi, je préfère les garder sur... Enfin, après, oui, en vrai, je vais refaire des raids, mais bon. Putain, mine de rien, ça donne pas tant, hein. Elle a 10 niveaux de moins quand même. Allez. Ah ouais, mais les deux, je dois les battre en fait. Les deux sont côte à côte. C'est gentil, Stand. La plupart des Pokémon, là, tu vas pas les utiliser en raid. Non, mais... Non, moi, je parlais pas... Je disais pas ça pour ça, Neways. Je disais pour mon Pokédex, en fait, je garde des bonbons, c'est pour ça. Enfin, je disais, oui, en raid, je peux choper des bonbons, mais...
Ouais, ouais, je sais que ça se forme vite, hein, ouais. C'est où mon combat? C'est pas là, je crois. Ah, c'est le bureau du proviseur. Cours de l'école. Qui s'en doutait pas, hein? Dans le chat, honnêtement, qui ne s'en doutait pas? La team Rediff, qui ne s'en doutait pas dans les commentaires? Dites-moi la vérité. Putain. Non mais enlève ta capuche! Deuge, merci d'être venu. Je crois avec son sac que je la reconnais pas. J'imagine que tu dois être surprise. Le big boss, Cassiopée, c'était moi depuis le début. Tu te souviens quand tu m'as sauvé des sbires de la Team Star devant l'école? C'est en te voyant à l'œuvre ce jour-là que j'ai eu l'idée de monter l'opération Stardust. Mais j'avais besoin de te convaincre de me rejoindre, et c'est là que j'ai pensé au LP. Grâce à mes talents, disons, je peux m'en procurer en masse aisément. Et avec une telle récompense à la clé, j'avais bon espoir que tu acceptes de m'aider. Pour garder un œil sur tes faits et gestes, il me suffisait d'interagir avec toi en tant que membre de l'équipe de ravitaillement. Mon objectif était de laisser affronter chaque boss, puis de me vaincre à la fin pour mettre fin à la Team Star une bonne fois pour toutes. Mais il y a toujours cette partie de moi qui refuse de laisser la Team Star disparaître. C'est pourquoi je ne peux me rendre sans me battre. Alors, est-ce que tu es prête pour cet ultime combat? Je suis prête. Merci. Désolé, je suis à la bourre. Madame Taïm m'a retenue et je bref, peu importe. Cette voix. Clove? C'était donc bien vous, c'était donc toi, Cassiopée? Oui, c'était moi. Tu tombes bien, j'ai un service à te demander. Je veux que tu filmes notre combat. Il faut que les membres de la Team Star voient de leurs propres yeux qui a remporté la victoire. Dakodak. De quoi, Newise? Elle s'en bat la coupe de cheveux Pepsi. Permets-moi donc de me présenter à nouveau. Je suis la big boss de la Team Star Cassiopée. Mais mon vrai nom est Pania. Incline-toi devant la toute-puissante de la big boss. Elle m'envoyer ses évolis là. Est-ce que je vais avoir un évoli de chaque... ça serait stylé par contre. Let's go! Je suis contente. Non, en vrai, je suis contente. Vas-y, c'est le meilleur personnage. J'ai le meilleur personnage, frère. Après, elle va m'envoyer un Voltali. Non, c'est le meilleur perso. C'est le meilleur perso, en vrai. Bon. Meilleur perso, par contre. Noctali, désolé, mais t'es mieux dans mon équipe. Hein. Tu l'as pas one-shot. Newise, t'es nul. T'es nul, Newise. Qu'est-ce que tu me fais? One-shot-le. Mon dieu, je me fais flame. Surtout dans Pokémon. Oh, t'abuses. Regarde comment on one-shot. Regarde donc. J'aurais rigolé si tu te faisais one-shot. Vraiment, j'aurais rigolé. Regarde donc.
pas cette fois-ci. Mais c'était pas mal, c'était bien tenté. Genre vraiment... C'était bien tenté. Il a perdu des HP, tu l'as même pas tué. Électricité, j'ai rien moi contre Elec en vrai. Hein. J'ai rien contre Elec. Non, anyways, regarde. Fatal, il va te montrer. Fatal, il va te montrer ce que c'est un one-shot. Voilà. C'est ça, un one-shot. C'est ça, un one-shot, anyways. Tu vois? Attends. En vrai, t'as... En vrai... Je vais envoyer Noctali, hein. Je pense. Je vais envoyer Noctali. Merci beaucoup, Kirua One. Merci beaucoup pour ton sub. Bienvenue à toi. J'hésite. Merci, Fatal, de m'avoir montré. Ah là là. En vrai, ouais, non, vraiment, tout, j'aime trop toutes les évolutions de Noctali, de Evoli, sauf Nymphali. Hein. Un petit close combat. Non, mais les gars, aussi, faites un effort. Non, attends, faites un effort, là, quand même, mes Pokémon, là, oh. Putain... Non, wesh. Coup critique en plus. Non, mais vas-y. M'a saoulé. Non, c'est bon. En tout cas, pas là où j'en suis. Ah, y a des gens qui préfèrent Nymphali à Filali, frère. Non, Nymphali, en vrai, non, je sais pas comment vous pouviez préférer Nymphali. Vraiment, je... Pour moi, c'est la pire évolution d'Evoli. C'est vraiment la pire évolution d'Evoli pour moi. De quoi, Fatal? Dis-nous ce que tu n'aimes pas avec Nymphali. Mais juste, je trouve pas Nymphali belle en fait, genre. Je la trouve pas belle, Nymphali. Ah mais du coup, attends. Si je l'attaque en acier, c'est ok, non? Bon, on va tester. Noctali est plus stylé, ouais. Non, j'ai pas poison. Mais Darky, tu regardes mon jeu ou quoi? Non, je sais pas, tu vois, Nymphali. Bon, de toute façon, on la voit pas, mais... Je
Filali ou Noctali. Je préfère Noctali, mais Filali arrive pas très loin après. Ah, c'est quoi sa forme Terra Cristal? C'est fait du coup. Non, je sais pas, j'ai du mal avec ses rubans et tout. Genre, vraiment, j'ai trop du mal. Je suis Terra Cristal. Ah, je suis Terra Cristal, c'est aussi. Je... Le Aurora l'aime bien. J'ai mal au cou. Pagna! Non, elle était stylée sa team. Bon, un Mentali aurait été mieux, quoi, mais qu'un Amphali, mais bon. Tout est fini maintenant. Ça y est, mes amis, c'est fini. Nous devons en finir. En finir? Tu veux dire dissoudre la Team Star? On est allé trop loin avec l'opération Star. La situation est hors de contrôle. C'est vrai qu'on a mis le paquet en rassemblant cette bande de harceleurs dans la cour. Mais en fin de compte, nous ne sommes même pas battus. Nous avons exposé notre volonté ferme de nous battre... Leur harcèlement perdurait. Notre victoire fut pacifique. C'est vrai qu'on n'a même pas eu besoin de sortir nos Pokémon et ils ont capitulé sur le champ. Ils sont excusés en pleurnichant à croire qu'on leur a fait peur dans nos nouvelles tenues. Quelle bande de bébés! Mais après tout ça, tous ces élèves ont fui. Les événements ont pris une ampleur démesurée et on est tous impliqués. C'est vrai que ça craint. Mais je vais me charger de régler le problème. Hein? De quoi tu parles? C'est moi qui ai formé la Team Star et qui ai fait de vous mes complices. C'est à moi de régler la situation. Big Boss. Maintenant que les harceleurs sont partis, vous devriez retourner à l'école. Et toi, tu vas faire quoi? Moi, je ne veux pas y retourner. Mais pourquoi? T'as plus besoin de rester enfermé dans ta chambre? Pardonnez-moi, tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci de m'avoir épaulé. On ne s'est jamais vu IRL. Et pourtant... Je suis désolée, mais je m'attendais pas à ce qu'elle dise IRL. Pour moi, IRL, c'est vraiment c'est le truc des geeks de ouf, tu vois. Genre, il n'y a que nous, tu sais. Nous, on dit IRL, mais là, je m'attendais... Pardon. C'est une conf Discord. On ne s'est jamais vu IRL. Et pourtant, vous avez tous été si gentils avec moi. Big Boss, arrête de parler comme ça. On dirait que tu nous fais tes adieux. Oh, Lisa. Oh Lisa, ça... waouh! Oh, j'allais faire une... j'allais faire une private joke, là. C'est moi quand je vais quitter le PC à 85 ans. J'ai des choses à régler. Pour atteindre quelle finalité? Hey, Big Boss, réponds-nous. Non! Elle était juste là, je suis morte. Merci, les amis. Et adieu. Deux, Clove. Merci. C'est dans la boîte. Tout est fini. La Team Star et moi aussi. Attendez, attends, j'ai des questions à te poser. Quoi donc? Tu étais à la tête de la Team Star, alors pourquoi avoir organisé l'opération Stardust au lieu de tout simplement démanteler ton organisation? J'ai proposé au boss de la dissoudre, mais ils ne m'ont pas écouté.
ils ont désobéi à un ordre de la Big Boss. C'était seulement une proposition. Notre code d'honneur interdit de donner des ordres. Le code d'honneur, c'est vrai que les boss le prenaient toujours très au sérieux. C'est pour ça que je m'en suis servi, pour les pousser à quitter la Team Star. Tu veux dire que les boss ont accepté de quitter la Team Star uniquement parce que c'était écrit dans votre code d'honneur ? Oui. Le code disait ainsi. Le code disait aussi qu'ils devaient se battre contre quiconque les défiait. Et ainsi est né. Je ne sais plus lire. Hein. Et ainsi est née l'opération Stardust. Je comprends mieux maintenant. Cassiopée. J'ai une dernière question à te poser. La Team Star, tes camarades, qui étaient-ils pour toi ? Ils étaient. Merci beaucoup, Frozen. T'as tout gâché. Super, Frozen, t'as tout gâché, le moment émotion. Merci beaucoup pour ton ressort pour tes 7 mois. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mon plus grand trésor. Merci pour votre sincérité, Mademoiselle Pania. Hein ? J'ai moi aussi des choses à vous dire. Mais pourquoi tu me vouvoies tout à coup ? On dirait que t'as pris 50 ans. Vous ne pensez pas si bien dire. Je pense qu'il est maintenant grand temps pour moi de vous révéler ma véritable identité. Je suis le proviseur. Monsieur le proviseur ? Clove était mon identité secrète, tout comme Cassiopée était la tienne. Mais pourquoi ? Pour pouvoir approcher les membres de la Team Star et discuter directement avec eux. Car si le proviseur les avait approchés, je doute qu'ils se seraient livrés avec sincérité. Et vous êtes même déguisé ? Mais pourquoi ? Avoir choisi cette perruque ? Bref, passons à un autre sujet, voulez-vous ? J'ai fait venir quelques invités. Oh ! Hein ? Ça fait un bail, Big Boss. Brahms ? Un bail ? Mais on ne l'a jamais vu en vrai, on connaissait même pas son blaze. Mélo. D'un visage caché, les traits enfin dévoilés. Non mais lui, par contre, lui c'est barré. Lui c'est barré, je peux plus. Et Rio. Alors comme ça, ton vrai nom c'est Pania. Comment ça va depuis tout ce temps? Il est trop mimes lui. Ortito. On se rencontre enfin, j'étais morte d'inquiétude pour toi. Nefli. Merci beaucoup Aaron d'avoir gâché le moment émotion encore une fois. Merci beaucoup pour les 5 subs. Allez tous ensemble. 3, 2, 1. Hasta la vista! Non mais en fait le problème c'est que ce genre de textes ne sont pas faits pour être lus par une streameuse. Ce genre de textes ils sont faits pour être lus dans ta tête mais pas à haute voix tu vois. Ok cringé, bah oui bien évidemment cringé. Furie, Mademoiselle Pania, ainsi que vous cinq. En tant que représentant de l'Académie, j'aimerais m'adresser à la Team Star. Mes plus sincères excuses. Hein ? Comment ai-je pu être aussi négligent vis-à-vis de mes élèves ? C'est indigne d'un proviseur. Mais... Vos amis m'ont tout raconté. Je sais pour quelle raison la Team Star a vu le jour. Lorsque j'ai obtenu le poste de proviseur, j'ai découvert une Académie paisible sans le moindre soupçon de harcèlement. J'étais loin de m'imaginer qu'il s'agissait du fruit de votre courage, insufflé par votre tristesse et votre colère. Bref, j'ai pris une décision. Je ferme l'école. L'ordre de dissolution de la Team Star ainsi que les mesures disciplinaires imposées au boss sont officiellement annulées. Mais alors, ça veut dire... Oui, la Team Star peut continuer d'exister. Pania, c'est génial, on peut rester tous ensemble! Aux joies indicibles. Mais je vous ai tous trahis. Tu parles de l'opération Stardust, Monsieur Clavel nous a tout raconté. On sait que t'as agi pour éviter qu'on se fasse renvoyer, t'étais juste inquiète pour nous. Et puis on n'allait pas tout quitter juste parce qu'on nous le demande, t'avais pas d'autre choix. Qui peut imaginer quelle fut ta peine de requérir une telle chose auprès de nous? Pardon de t'avoir causé tant de soucis, mais tu n'as plus à t'inquiéter pour nous. Mais quand même! Si vous me le permettez, j'aimerais ajouter autre chose. Comme je l'ai annoncé à l'instant, je retire ma demande de dissolution de la Team Star. Néanmoins, je ne fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions.
des absences injustifiées et prolongées, la dégradation de vos uniformes, l'emprunt non autorisé de matériel de l'établissement, l'altération de vos Pokémontures, les courses sauvages. Et j'en passe, vos infractions aux règles de l'école sont nombreuses et méritent sanctions. En guise de punition, vous devrez accomplir des travaux d'intérêt général. Des travaux d'intérêt général ? Oui, vous serez responsable des CES. Des quoi ? Des CES, les centres d'entraînement STAR. Il s'agira de nouvelles installations destinées à l'entraînement, fruit de la coopération entre l'Académie et la Ligue Pokémon. L'idée m'est venue en observant Mademoiselle Deuge prendre d'assaut vos repères. J'ai été stupéfiée par les méthodes de défense uniques et atypiques de la Team STAR. Vous continuerez dans vos activités, mais vos repères seront transformés en centre d'entraînement STAR dont vous aurez la charge. Avez-vous des questions concernant ce que je viens de vous exposer ? Non, au contraire, ça a l'air cool et tout le monde y gagne. Ça peut paraître bizarre qu'on te demande ça, mais... Pagnard, joins-toi à nous. C'est long, hein ? J'espère que vous aviez pas prévu de regarder un film ce soir. Fais-nous honneur de ta présence et viens à l'école avec nous. Si tu as des ennuis, on sera là pour te protéger. On se disait justement que ce serait le top de pouvoir aller à l'école et rester membre de la Team Star, donc c'est carrément parfait. Alors, t'es partante ? Les amis ? Deuge, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah, j'ai pas le choix, encore une fois. Pourquoi vous me demandez en mode j'ai le choix ? J'ai jamais le choix dans ce jeu ! Tu peux le faire ! Mais, c'est-à-dire ? Nul besoin de vous décider tout de suite, vous avez le temps d'y réfléchir. À présent, il est temps de nous séparer. Mais n'ayez crainte, vous vous retrouverez bientôt sous la bannière de la Team Star. Mademoiselle Deuge, pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps ? Je vous attendrai dans mon bureau. Ok. La vie de merde, mais je te jure. Direction le bureau du proviseur. J'ai peur qu'il y ait encore un fight. Non, normalement, non. Merde! Je me suis trompée! Quand il a dit un peu de votre temps, c'est genre combien d'heures? Allez, c'est ciao! En même temps, normal que je me perde dans l'académie, j'y suis allée qu'une seule fois! Vous êtes virée! Mademoiselle Deuge, vous voici. Je souhaite vous remercier pour toutes vos têtes concernant l'affaire Star. Sans vous, j'aurais certainement infligé une sanction injuste à ces élèves. Merci du fond du cœur. Qui est-ce ? C'est moi, Pania. Entrez, je vous en prie. Monsieur le proviseur. Oh, j'ai cru qu'elle avait changé de couleur de cheveux. C'est à propos des CES. J'aimerais vraiment y participer avec les autres. C'est merveilleux, je vous remercie pour toute votre bonne volonté. Mais je trouve que ma sanction n'est pas assez lourde. Pourquoi donc ? Serait-ce à cause de l'opération Stardust ? Non, ce n'est pas ça. J'ai fait autre chose, donc je ne suis pas fière. De quoi parlez-vous ? Les PL que j'ai donné en récompense pour l'opération, j'ai piraté le système de la Ligue pour les obtenir. C'est de la fraude. Vous avez fait cela ? Je vois. J'ignorais qu'il était possible de pirater le système de la Ligue Pokémon. Oh, c'était vraiment un jeu de... Enfin, je veux dire, je suis désolée. J'ai bien peur que cette affaire soit hors de ma juridiction. Je vais en discuter avec la présidente de la Ligue Pokémon, Madame Alisma. C'est compréhensible. Excusez-moi, Mademoiselle Deuge, mais puis-je vous demander de sortir ? Bah, je suis juste venue pour... Quoi ? Donc il m'a... Mais... Donc là, je suis juste venue pour ça ? C'est une blague ! Bon les gars, le fight contre elle, là, je le ferai demain. Parce que là, je vous avoue, je suis un peu fatiguée. Bah, nique sa mère. Comment ça, je peux pas m'envoler ? Il y a un truc en dessous ? Il y a un truc en dessous ma porte ! Il y a une super boule en dessous ma porte ! Mais je veux me barrer, moi.
Les portes de l'école, frère, elles sont immenses. Pirater le Pentagone, trop simple. Putain, non. Laissez-moi aller dormir. Deuge ? Pania, j'ai quelque chose à te dire. Rejoins-moi là où on s'est rencontrés pour la première fois devant les marches de l'école. Viens vite. Oui, bon, demain. Demain. Hein ? Demain. C'est bon, à demain. Ciao.